Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est le YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors oui, je sais, j'avais dit que je devais faire qu'une seule ou deux vidéos par mois sur Clash Royale, mais j'ai débloqué, j'ai eu un coffre magique que vous voyez en bas à droite de mon écran, qui je vous le rappelle, coûte quand même 500 gemmes dans la boutique du jeu. Donc, dans cette vidéo, on va ouvrir des coffres. Alors, un coffre à couronne, trois coffres en or et un coffre magique. Alors, je vais faire dans l'ordre que je viens de dire, hein. Alors, on peut voir depuis que la dernière vidéo, je suis passé niveau 7 et que je suis redescendu arène 4, parce que j'ai un peu merdé, on va se le dire. Mais c'est bien un coffre arène 5, du coup, il est possible que je débloque des cartes comme les esprits de feu, les fournaises, tout ça. Donc, ne soyez pas étonnés. J'ai aussi changé mon deck depuis la dernière vidéo. Donc, j'ai cabane de gobelin, miroir, sort de rage, boule de feu, PK, esprit de feu, baby dragon et fournaise. Et que je les ai montés à des niveaux, parce que par exemple... Prendre par exemple la fournaise, je l'avais niveau 1, je l'ai passé niveau 4 en un coup. Voilà. Que j'ai trouvé un clan depuis la dernière vidéo, il me semble. Oui, j'avais dit que j'en avais pas. Mon clan s'appelle Dreamer, n'hésitez pas à venir. Je vous rappelle que moi, mon pseudo c'est Lucky. Mais c'est pas Lucky YouTube d'ailleurs, je vais peut-être le changer mon pseudo. Je vais changer mon Lucky YouTube, hein. Voilà. Donc oui, j'ai dit. Je recorde avec une nouvelle application qui s'appelle AZ Screen Record. Pour l'arrêter, il faut que je clique sur le bouton enregistrement là. Donc du coup c'est un peu sale à la fin de la vidéo, mais au moins on n'a pas de logo sur la vidéo là. Il n'y a pas de logo comme l'ancienne application qui s'appelait Game Screen Record. Et la qualité est mieux, c'est-à-dire que par exemple j'avais fait la vidéo sur Neverfall, on voyait bien les pixels, on voyait trop les pixels, là du coup on les verra moins. Ah qu'est-ce qu'il a demandé, voilà je le donne. Tac, donc c'est parti, on va commencer à ouvrir ces coffres. Alors désolé, j'avais prévu un coffre gratuit, sauf que quand j'ai commencé le record, quelqu'un a appelé et du coup bah... Excusez-moi. Quelqu'un a appelé et du coup j'avais commencé à ouvrir le coffre magique. J'ai été dégoûté parce que du coup je l'ai pas. Donc pour vous dire, je n'avais rien eu d'intéressant vraiment. Donc c'est parti, on va commencer avec un coffre à couronne que j'ai. J'ai 5 cartes. Je l'ai eu juste avant de faire cette vidéo là. J'ai fait quelques victoires. Contre couronne. Ok. Or gemme. Gobelin, ça me sert pas. Chevalier, ça me sert pas. Et squelette, ça me sert pas. Et Valkyrie, ça me sert pas. Bon, dommage. Ensuite, on passe au coffre à couronne. Alors, dans cette vidéo, j'ai oublié de le préciser, mais il y aura juste les ouvertures de coffre. Je vais juste faire une petite vidéo comme ça, au calme, assez courte. Premier coffre en or. Or. Or de gargouille, ça me sert pas. Esprit de feu, pas mal. Chevalier, non. Pierre tombale, non. Dommage. Ensuite. Deuxième coffre en or, excusez-moi. Voilà. Or, Tesla, ça me sert pas. Or de gargouille, ça me sert pas. Canon, ça ne me sert pas. Cabane de barbare, ça ne me sert pas. Alors qui sait, peut-être qu'un jour je changerai la composition de mon deck et que plus tard ça me servira, mais pour l'instant je pense pas parce que mon deck il est vraiment sympa. Or, 3 gobelins à lance, ça c'est pratique. Archer, 9. Ok. 9 squelettes et 2 pierres tombales. Ok. Par contre, il me semble que... Ah non. Non, non, non. Excuse-moi, j'ai quand même 2000 pièces hein, et 45 gemmes. Alors, vous êtes prêts les amis? Là, j'espère qu'il n'y aura rien qui va me gêner, parce que si, franchement, je serais dégoûté s'il y a quelque chose qui me dérange pendant le record. C'est parti! Ok, cette carte, 352 or. Ok, un mini PK. 13 électrocutions. 4 roquettes. 41 esprits de feu. Ouh, ça, c'est bien. 8 sorciers. Et ouh, yes! Un arc X. Et oui! Oh! Oh yes! Oh, enfin! Yes! Enfin! Enfin! Là, vous dites pourquoi j'ai une réaction comme ça? Mais c'est que depuis le début du jeu, parce que je vous rappelle que le prince, c'est une carte que l'on débloque normalement au camp d'entraînement, que je ne l'avais toujours pas eu. Et là, mais je suis hyper content d'enfin l'avoir. C'est ce qui manquait quasiment dans ma composition. Donc je vais la changer, alors à quoi de la place? Non, attendez, je vais pas faire ça tout de suite. Voilà, je suis hyper content, et l'arc X aussi. Je pense que je vais pouvoir faire vraiment des bons trucs avec ça. Mais je suis content. Je suis hyper content. En plus, ouais, du coup, 8 gemmes, super. Oh, c'est vraiment une bonne vidéo, là. Je suis vraiment content. Alors je vais refaire mon deck. Alors, il y a juste un défaut par rapport à l'ancienne application, c'est que je vois pas à combien de temps j'en suis. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, est-ce que l'arc X... Bah, franchement, je vais les essayer. Donc, la boule de feu va s'en aller. Sorry.
Et le prince va venir remplacer. Sais pas quoi trop vous dire en fait. Je sais pas trop quoi vous dire. Le miroir. Si, le miroir me sert des fois. Parce qu'en fait, je mets cabane de gobelin, fournaise, et après, je me resserre du miroir pour mettre une deuxième fournaise. Du coup, ça surcharge l'adversaire d'ennemis et c'est pratique pour gagner, mais je sais pas, j'ai dit que le PK, il est pratique si je galère un peu. Les esprits de feu, je crois, ils me servent pas. Parce que du coup, comme j'ai une fournaise, ils me servent pas. Ouais, mais, ah, c'est chaud. Vous savez quoi? J'ai enlevé les esprits de feu, parce que j'ai déjà la fournaise. C'est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ça aurait été une super vidéo, on aurait eu des bonnes cartes. Je suis content d'avoir eu un coffre magique, parce que moi, je fais pas partie de ces youtubeurs qui peuvent se permettre de s'acheter des coffres. Hein. Ça coûte 500 gemmes, c'est quand même pas mal. Moi, j'achète pas de gemmes. Du coup, c'est assez rare. Enfin, vous n'aurez pas énormément de vidéos comme ça, mais c'est sûr, dès que j'ai un coffre, je sais pas, un coffre super coffre magique, ça se trouve, qui sait, un coffre magique, un coffre géant, je vous fais une vidéo dessus parce que franchement, j'adore faire des vidéos sur ça. Enfin, c'est vraiment l'opening de coffre, j'adore ça. Mais bon, après, je peux pas me permettre parce que. Voilà. Donc, dans 2, 3, 4 semaines, ça se trouve, il y aura une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc, j'aurai un coffre magique, un coffre gratuit. Un coffre à couronne et 4 coffres en or, voilà. Et on fera cette ouverture et on fera quelques combats, hein, je sais, on verra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire bah, si j'ai bien fait le deck. Je ne sais pas s'il est bien, je vais le tester juste après. Si, mettez un commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, à vous abonner, je compte sur vous. Bye bye. Et là, du coup, c'est le moment où je dois arrêter le record de cette manière. Ah oui, j'ai reçu une nou nouvelle notification de votre prod. Parce que oui, je suis abonné à cette chaîne. Très bonne chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Bye bye.